Salut tout le monde, ici Deadcake. Aujourd'hui, on va continuer notre campagne de Need for Speed Payback. Et voici ce que j'ai fait de notre Beetle. On dirait qu'elle est tombée d'une chute d'or liquide. Et je l'aime bien. Je l'aime bien, je suis satisfait de mon travail. On va maintenant aller tester ça sur la route parce qu'elle a aucune puissance, aucune vitesse maximum. Si on veut faire du drag avec ça, ça va nous prendre de l'équipement. Je pense qu'on va y aller pour le plus possible des pièces cactus. Je sais bien que c'est pas ça le nom de la marque, mais là c'est comme ça qu'on va les appeler. On se rend ici. Elle tourne vraiment pas. Oh! Ça se détruit pas. C'est confirmé. Ouais, j'aime vraiment son look chrome avec le doré. Ça y va bien. J'essaye aussi de pas toutes leur donner le même look. Donc, je me suis dit que j'allais essayer avec le liquide qui coule sur le char. Puis, j'ai eu des néons jaunes. Donc, je me suis dit pourquoi pas y aller avec ça. Ok. On a l'échappement qu'on pourrait acheter. Que je crois en fait qu'on va faire sans trop se poser de questions. On va aller ici faire nos trois tirages. Espérer qu'on pogne trois pièces différentes. Et on pogne un échappement qu'on a déjà, c'est ça. Ouais, bon, ça valait la peine de l'acheter. Moteur. Saut pis nitro. Bon, pas besoin de saut, mais c'est pas grave. Donc, j'ai choisi Outlaw comme marque parce qu'il booste la vitesse et la nitro si je me rappelle bien. Juste nitro, c'est parfait. Ok, on peut se débarrasser de ça, se débarrasser de ça, puis essayer une dernière fois un tirage. Trois pièces différentes. Et on pogne un échappement qu'on a déjà, c'est ça. Ouais, bon, ça valait la peine de l'acheter. Moteur. Saut pis nitro. Bon, pas besoin de saut, mais c'est pas grave. Donc, j'ai choisi Outlaw comme marque parce qu'il booste la vitesse et la nitro si je me rappelle bien. Juste nitro, c'est parfait. Ok, on peut se débarrasser de ça, se débarrasser de ça, puis essayer une dernière fois un tirage. Nice.
Ok, fait qu'au moins on a un bonus déjà x3 de nos trois pièces différentes. On peut. Ok. Ça, j'ai vu les meilleurs exploser leur moteur avant la dernière manche. Si ça t'inquiète, pourquoi tu viendras pas me coacher sur la course? Sans façon, la dernière fois que tu m'as fait sortir de l'aérodrome, j'ai fini avec des points de suture. Je comprends. Ok. Même si ton départ est pas parfait, avec de bons passages de vitesse, tu peux toujours rattraper ton retard. Compris. Okay. Le plus important dans le drag, c'est la voiture. Le meilleur pilote du monde ne gagnera jamais sans une bonne bagnole. Si t'enchaînes des défaites, surtout, pense à améliorer ta caisse. C'est pour ça que t'es là, Ram. On va la faire ronronner, cette bouteille. Ouais. J'espère juste que elle est ce qu'il faut, parce que là, on n'a pas beaucoup de vitesse maximum. Ok, c'est où qu'ils me font aller, là? Je pouvais pas juste faire la course, hein, c'était trop... C'était trop demandé. Elle a 4 barres de nitro. On verra bien ce que ça donne. Ok. Quand on fait la course dans Silver Rock, chaque kilomètre est une bataille. Du burn-out jusqu'au finish, on prend absolument tous les risques. Je suis Big Sister et nous sommes le Riot Club. Tu pilotes une voiture de drague, mais t'es pas de mon crew. T'es qui? T'es peut-être un espion du clan qui veut s'attaquer à mon crew de l'intérieur? Je m'appelle Morgan. Tyler Morgan, hein? Bingo. Tu peux m'appeler Big Sister. Qu'est-ce qu'il veut, le clan? Tu poses des questions trop dangereuses, Morgan. Prouve-moi que t'as toutes les qualités pour courir au sein du Riot Club. On fera la causette après. Elle a une voix de grand-mère, me semble. Un wedding de... Bah, je veux bien essayer. Pourquoi pas? Les règles du drag sont nos seules règles. Et t'as intérêt à les respecter. Ouais, ok, je sais quoi faire. Les courses de drag se disputent avec la transmission manuelle. Oh! Pas... Passez-vous. On va pour obtenir un passage parfait, ok. Sur la ligne de départ, maintenez... Ok. Nope, mauvais piton. Ok, ça semble assez facile, je m'attendais à pire que ça. Ok, manche suivante. C'est quoi ces trois manches d'un coup? Qu'est-ce qui se passe là? Expliquez-moi. Maintenant, il est temps d'en finir. Ok, 2 sur 3 manches. Ok. Oh my god.
Oh, puis la nitro, elle revient pas. Ok. Ouais! Là ou pas? Je m'attendais à quelque chose genre qui va plus ouais, vite que c'est ça. Le meilleur Morgan dont on m'a parlé. Faut vraiment que j'arrête de baiser sur le break à bourre quand je veux mettre de la nitro. Ça serait déjà pas pire. Ok, une speed cart. Bon. On va l'échanger. Il est vraiment meilleur, mais on va se concentrer sur Outlaw seulement. Oh, il y en a quand même une coupe. Une nouvelle mission débloquée. Alors, Big Sister, hein? Sors pas le surnom. Il signifie que ce crew est une famille et que c'est moi qui prends les décisions. Et puis quand on décide de s'attaquer au clan, mieux vaut le faire sous un faux nom. Le clan? Ouais, le clan. On va au quartier du casino pour lui montrer que le Riot Club a peur de rien. Ça te dit de nous accompagner? Voilà, ça me parle. J'en suis. Oh my god, ça tourne pas cette histoire-là. Avec les néons jaunes, t'as compris. Bon, on va oublier le Welling là, parce que. Alors, Big Sister, qu'est-ce qui t'a fait le clan? Gang, et je te raconte ensuite. Ça marche comme ça? Oh! C'est assez relax, tout se joue dans les 3 premières secondes de la course, puis après ça, c'est mort. Encore une victoire! Oh my god! Carrément. Oui. Ils veulent encore changer cette pièce-là, puis je vais encore dire non. Parole, Taylor. Alors voilà. Un jour, le clan est venu me voir et m'a demandé si mon crew serait prêt à organiser des courses. Jusqu'ici, la routine? J'imagine. Je t'ai vu à la course de Boomville et... Je dois dire que ton esprit de combattant m'a inspiré. J'ai dit au clan d'aller se faire voir. Parce que ça a tellement bien marché pour moi. Ouais, ça n'a pas été une réussite pour nous non plus. C'est devenu... tendu. Continue. Peut-être après la prochaine course. À plus. Ok. Bon. Je pense que ce que je vais faire, c'est continuer de m'avancer dans ces missions-là. Et, ben franchement, je trouve pas ça comme super excitant.
J'imagine que ça vous intéresse pas vraiment de regarder un épisode juste de ça. Donc, je vais probablement revenir quand on va être rendu au boss. Ok, j'ai oublié que il y avait une petite histoire qui suivait ça, fait que je vais. C'est la première course que je viens de faire. Donc je vais vous laisser écouter ce qu'elle a à dire. En passant, c'était même pas un drag, c'était une course normale. Donc on aurait pu l'avoir, ils vont faire exprès puis essayer de me couper vraiment de mon bonus. Hein. Mais je vais refuser. Ouais, c'était une course, c'était pas du drag. On dirait que la prochaine aussi c'est une course, donc on va probablement la faire ensemble. Alors, tu me disais la dernière fois que la situation était tendue. Dès qu'on lève le petit doigt face au clan, les flics sont là. Quoi? Les flics mangent dans la main du clan? Non, tu crois? C'est plus notre ville ici. Plus personne n'est assez fort pour leur tenir tête désormais. Moi je me bats avec Navarro, c'est pas mon problème. Bien! Rendez-vous à la course d'après alors, puisque c'est tout ce qui t'intéresse. C'est pas tout ce qui m'intéresse, ils viennent de dire qu'ils se battaient contre elle. Donc c'est quand même autre chose. Ok. Je sais pas si je pouvais changer de véhicule, prendre un véhicule de course. Faites un winning. Non, pas de winning. 0 victoire et 3 défaites pour ton crew, Big Sister. Prêt pour une quatrième? Gagne! Tu feras le malin après. Oh, non. On est revenu dans le drag, bon. Première place, bébé! Et on dirait qu'il me colle vraiment au cul. Oh, c'était tight. C'est moi. Ok, on dirait qu'il y a pas mal de manches. Bon, ben définitivement, on se revoit à la fin. Ok, fait qu'on a gagné l'épreuve. C'était pas si dur, j'ai quand même manqué une des manches. Mais ça en prend au moins 3 sur 5 pour passer, s'il vous plaît, une... No... Oh, turbo... Écoute, on va la prendre, parce que ça va booster notre nitro. Ça met juste le vol plané dans le rouge, puis on en a vraiment pas de besoin avec ça. Une nouvelle mission. Allez, le prochain spot. On fait un break. Mon crew est hyper recherché. On va se faire oublier un peu. T'as pas le droit de me lâcher comme ça, Big Sister. Bien. On risque de pas pouvoir venir, mais j'ai quand même un défi à te proposer. Ta prochaine course sera contre le chrono. Ok. Je pensais pas l'avoir, mais quand même. La colle à 190. Pour mettre 3e étoile sur ce radar là, ça va nous prendre du 350 km/h. Donc on est assez loin de ça avec ce véhicule là. Ok, compte la montre. Atteigner 210 km/h, aucune chance. Bon, en fait, il y a des grosses chances que ça arrive, mais pour pas. La super piste d'entraînement du Riot Club. Ok, piste d'entraînement. Ah,
Oh my god, ça tourne pas cette histoire-là. C'est n'importe quoi, courser avec ça. J'aurais cru que le drag nous ferait monter un peu plus haut que 190 km/h, pour être franc avec vous, là. Je sais pas si c'est à cause de la Beetle ou si c'est juste que notre première voiture de drag est à mon peu plus haut que ça. Toujours dans les temps. Oh oui. Ça va mettre un petit boost de nitro. Ça va rentrer dans le camion poubelle. Un petit jump. Je vais recommencer. Ah, ok. Bon, ben ça s'est quand même bien passé, sauf le dernier jump à la fin. Bon, on va-tu pouvoir t'affronter dans un drag, Big Sister? Ouais, ouais, speed kart. Là, on va définitivement refuser, parce que sinon on va perdre notre boost. Puis on veut pas perdre notre boost. T'es encore bloqué sur cette histoire de revanche? Mon crew et moi, on mène notre combat. Pour le clan, on est des pions sur lesquels des mecs pleins aux as peuvent miser. Le vrai combat, c'est contre eux que tu devrais le mener. Si t'es un compétiteur digne de ce nom. Moi, je me bats seulement contre Navarro. Et pas pour sauver la ville, je m'en fous. Tu l'es et je le prouverai. Mon crew sera pas au prochain spot. Hop. C'est trop risqué. Mais toi, je parie que oui. Alors affronte-moi. Ok, on a enfin notre course contre la Big Boss. On va aller montrer c'est qui le meilleur. Faites un wheeling, bon on va accepter là, parce qu'ils sont gossés avec le wheeling, je sais pas si on va un l'avoir ou pas. En zone résidentielle. Quelle bande de dingues. Comment je les ai tous humiliés. Ouf. Oh, allez. Oh, allez. Ah, ok, il faut en gagner encore 3 sur 5. Ça va-tu être à des places différentes ou ça va être la même? Là est la question. Prêt. Manche suivante. Oh, le dude a décidé de flotter, c'est bien. Ah,
premier. Je te fais tout le temps en retard. Ah ouais. Oh god. Ouais, juste à temps. Juste à temps. Fou. Ok, faut qu'on essaie de pas chier notre départ, ça serait pas pire. Ça peut pas s'arrêter là. Oh my god. Passage parfait. Elle rentre d'un bord, elle zigzague de l'autre. Mais carrément! On dirait qu'elle fait tout le temps la même erreur de première place. Foncer dans les murs à gauche puis à droite. Ce qui nous a donné la course, c'est parfait comme ça. Ok. Une autre speed card. Ah, ils font chier. Fait que dans toutes ces courses-là qu'on a faites, pas une fois il nous a donné une speed card de autre chose qu'on avait déjà. C'est assez dommage, mais c'est comme ça. Oh, la Audi. Peut-être pas pire la BM. Tu vois, je te l'avais dit, t'es aussi givré que nous au final. J'ai du mal à l'admettre, Big Sister. Mais tu m'as fait réfléchir. T'as des fans, Tyler. Je te le dis, ce que t'es en train de faire, ça pourrait changer plein de choses ici. Je comprends. Peut-être que ce combat dépasse Navarro et mon crew, que ça me plaise ou pas. La ville a besoin de toi, Tyler. Fais ce qu'une majorité d'entre nous n'a pas le courage de faire et tu verras, on sera tous là. Reprenons notre ville, Tyler. Tyler. Hola, Blambeck. Tu me dois une revanche. La Katrina, si t'as envie d'une deuxième défaite cuisante, je te l'infligerai avec plaisir. Pas à l'endroit habituel. Je t'envoie la position. Hasta pronto. On se refait une petite danse alors. Ok. La Katrina veut nos nouvelles. C'est quoi, c'est ce site? Oh, ouais. Ok. À la place d'aller chercher tout de suite notre épave, on va battre la Katrina. Et dans le prochain épisode, on va pouvoir se concentrer sur notre épave. Bon, faut définitivement changer de véhicule, par exemple. À ma pizza. Qu'est-ce que t'as derrière moi là? Ils disent que ça passe par ici. C'est définitivement un piège. Ouais, changer de voiture, évidemment. Ça me convient très bien. Tout est rien niveau 2. Ok. Une mission, ok. Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi je me suis embarqué? Ok.
On dirait que c'est pas mal plus gros que ce que je pensais. Jess? Ty? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu voir Jimmy, un de mes anciens clients. Et la Katrina m'a demandé une revanche. La meuf de Ligue 73 m'a appelé. Un piège. Navarro. Ok, donc malheureusement, on n'a pas assez de temps pour faire une mission immense comme ça. Je sais pas, ça a l'air un peu plus gros que juste une petite revanche pour la Katrina. Donc, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis dans le prochain épisode, on va recommencer ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit dans le prochain épisode. Ciao!